Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui mon coup de cœur. Marilyn Mauge, née le 19 janvier 1967 à Lyon, a commencé à écrire à l'âge de 8 ans des petits poèmes sur les fleurs, quitte Lyon à l'âge de 12 ans. Maintenant habite l'Isère. Elle est aide-soignante auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Marilyn est une romantique, une grande rêveuse et a beaucoup d'imagination. Les images lui parlent. Et voici maintenant. Pour un lutin malin. C'était un grand gaillard qui ne portait pas de costard. Juste un jean et un t-shirt noir. Quand il se promenait sur le boulevard, il se levait tôt et se couchait bien tard. Sans prendre le temps d'enlever son falzard, ce n'est pas un hasard. Et ce n'est même pas bizarre de croiser un mec venant de nulle part, qui se dit sauvage, qui vous dit non. Mais loin d'être un âne, il n'a pas de passion, mais part toujours pour des actions. Plonger, parapente, il plantera bien une tente au milieu de sa verdure. Toujours prêt pour l'aventure, il prend sa grosse voiture et le voilà parti tant que ça dure. Il ne se prend jamais la tête et avec lui, c'est toujours la fête. Meilleur ami que lui, il n'y en a pas ici. Pour sûr, il est vrai qu'il plaît, pas comestible, mais certainement irrésistible. Gentil lutin malin. Et voici ma deuxième lecture. La chaleur d'un murmure. Tant de temps et pourtant demeure. Tout murmure que j'entends encore. Il me semble qu'il n'a jamais quitté cet abri, qu'il s'est fabriqué dans mon esprit. Il a fait soudainement très chaud et je me suis baignée dans ta chaleur. J'en ai oublié ma peine et mes maux. S'éloigne la solitude et son horreur. Car mon cœur devenait triste et froid. Mais il aura suffi d'une petite étincelle, d'une toute petite parcelle d'émoi, pour que la joie envahisse tous mes sens, jaillissant impérieuse pour embellir ma vie, faisant exploser toutes les barrières, et libérant aussi ces larmes amères qui ont inondé tant de mes nuits. Je viens avec précaution me brûler à ton feu et m'abriter sous tes grandes ailes, tes ailes où je me sens si bien, en m'entourant de ton réconfort, la douceur de ton corps et de ta tendresse. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.